La FUPRO Bénin, Fédération des unions de producteurs du Bénin, sera dirigée pendant les trois prochaines années par cet homme, Athanase Aguia. La passation de charge s'est déroulée au cours d'une cérémonie qui a rassemblé les différents acteurs de la filière. Le président sortant revient sur quelques actions entreprises à la tête de la FUPRO. La mandature que nous avons eue ici à la FUPRO nous a permis quand même d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Je ne dirais pas 100%, mais on peut retenir entre autres objectifs la montée en puissance de la FUPRO dans son environnement institutionnel. C'est très important. Aujourd'hui, la FUPRO est presque un label, si je peux m'exprimer ainsi. Je pense que si nous en sommes là, c'est à cause de toute l'humilité que nous avons eue. C'est toute cette volonté de bienfait que nous avons eue. C'est toute cette détermination et ces engagements que nous avons eus. Et je crois qu'il va falloir que ça continue pour que ce label-là puisse rester. Pour l'entrant, le défi est grand. Le mandat que tout le réseau et vous témoins m'accordez sera placé sous le signe de la continuité et de la valorisation des acquis. Nous n'avons pas besoin de faire comme tout le monde. Mais si nous voulons faire autrement et réussir, nous avons besoin de l'adhésion de tous. Conscient du niveau où le travail commun de mes prédécesseurs ont hissé la FUPRO, je viens promettre aller à l'école de la recherche et la conservation des partenariats pour la mobilisation des ressources au profit de la modernisation et de nos exploitations ainsi que nos organes membres du réseau. Le mandat dure 3 ans.